Bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto crochet. Aujourd'hui une base qui sera la boule, comme vous voyez. Ici je l'ai fait petite pour le tuto, mais vous pouvez la faire beaucoup plus grande si vous voulez faire une boule beaucoup plus grande. Tout dépend de ce que vous avez en pattern ou de ce que vous créez. Pour commencer votre boule, rien de plus compliqué, nous allons commencer avec le classique cercle magique. Donc on reprend comme la dernière fois. Vous prenez votre fil, vous le tenez ici, vous le tournez pour que ça fasse une croix, comme ceci, vous le tenez, vous passez votre crochet en dessous, vous le ramenez, vous tournez, faites un jeté comme ceci, et vous ramenez votre fil, votre laine ici. Et hop, vous retirez et vous avez votre petit cercle magique, comme ceci. Ce que nous allons faire après, c'est 6 mailles serrées. Donc comme ceci. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc vous avez vos 6 mailles serrées. Vous allez marquer avec un petit marqueur pour vous souvenir que vous l'avez fait ici. Et vous allez serrer un petit peu. Pas totalement, sinon vous aurez peut-être du mal à piquer après dans les mailles. Et ce que nous allons faire, c'est donc piquer dans la maille suivante. Enfin, la première maille que vous avez faite, donc celle-ci, vous piquez dedans. Vous faites un jeté, vous ramenez comme ceci. Et après vous refaites un jeté et vous ramenez pour faire une simple maille serrée. Et ce que vous allez faire, c'est une maille serrée dans la même maille où vous avez fait votre première maille serrée. Comme ceci. Hop. Vous faites ceci. Voilà. Et vous allez faire ça tout le tour pour arriver à la fin à 12 mailles serrées. Quand vous arrivez à ceci, vous allez prendre votre marqueur, marquer et vous allez tirer pour fermer comme ceci la boucle. Ce que vous allez faire ensuite, c'est une maille serrée et une augmentation. Donc vous faites ceci dans la première maille pour faire votre maille serrée comme ceci, et après dans la maille suivante vous allez faire 2 mailles dans une maille pour faire la dite augmentation, comme ceci. Donc vous voyez, une maille serrée, et là vous voyez, là ici, l'augmentation. Et vous allez faire ça tout le tour de votre rang, pour arriver ensuite à 18 mailles serrées. Quand vous arrivez à ceci, vérifiez bien que vous en avez 18, et nous allons continuer avec 2 mailles serrées, donc comme ceci, une première maille, et une deuxième maille, et dans la troisième maille vous allez faire votre augmentation comme ceci. Hop, voilà. Et vous allez encore faire ça tout le tour, donc 2 mailles serrées et l'augmentation dans la troisième maille, et vous arriverez à 24 mailles serrées. Quand vous arrivez à ceci, vérifiez bien que vous en avez 24. Et ensuite, nous allons faire la même chose, sauf que faire 2 mailles serrées, nous allons faire 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, l'augmentation. Quand vous arrivez à ce résultat, donc 3 mailles serrées, une augmentation. Vous pouvez continuer si vous souhaitez, tout dépend de la taille de la boucle que vous voulez. Vous pouvez faire 4 mailles serrées, une augmentation, 5, 6, 7, autant que vous souhaitez. La chose qu'il faut savoir, c'est que là maintenant, nous allons travailler en rang, sans changement quelconque, que de la maille serrée. Je vous explique. Ici, nous avons une sorte de pattern, c'est ce que moi j'utilisais, et ce que j'utilise toujours d'ailleurs, depuis le début, pour faire mes ouvrages. Donc nous avons commencé avec notre cercle magique et nos 6 mailles serrées. Nous avons enchaîné avec 6 augmentations, une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite pour ceux qui continuent. Ce que nous allons faire,
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'augmentations que nous avons fait sera le nombre de rangs de mailles serrées que nous allons faire. Donc ici, vous avez donc 6, 12, 18, 24 et 30. Nous avons fait une augmentation ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça fait 4. Donc, nous allons faire 4 rangs de 30 mailles serrées, tout simplement. Donc, vous allez commencer tout simplement à faire vos mailles serrées tout autour, 4 fois. Quand vous arrivez à ce résultat, nous allons passer aux diminutions. Alors, ce n'est absolument pas compliqué. Nous allons reprendre notre petit schéma ici présent et nous allons regarder. Pour faire une diminution, tout simplement, nous allons faire 3 mailles serrées et une diminution sur tout le rang. Ensuite, le rang suivant, ce sera 2 mailles serrées, une diminution. Ensuite, une maille serrée, une diminution. Et ensuite, nous allons faire 6 diminutions. Donc, de 30, on passe à 24, à 18, à 12, et ensuite à 6. Et on revient au point de départ. Alors, pour faire les diminutions, on reprend notre petit ouvrage. Nous allons faire donc, comme précédemment, 3 mailles serrées, comme ceci, et notre diminution. Alors la diminution, comment on la fait? De manière simple et invisible, nous allons prendre le premier fil de la maille, donc comme ceci, comme vous voyez. Je fais un petit focus. Et vous allez piquer directement dans la deuxième maille sans prendre les mailles de derrière, que les deux mailles de devant. Et vous allez faire un jeté et ramener le tout ensemble. Et vous avez fait votre diminution. Vous voyez, une première maille, une deuxième maille, une troisième maille, votre diminution. Et vous allez continuer sur la maille suivante. Donc ici, attention, hein, vérifiez bien de ne pas piquer dans la maille de diminution, mais bien dans celle-ci. Et vous allez piquer et vous allez faire encore une fois vos 3 mailles serrées comme ceci. Et votre diminution comme ça, comme ceci. Et vous ramenez le tout ensemble et vous continuez comme ça tout le tour. Ensuite, vous faites la même chose avec 2 mailles serrées et votre diminution. Le rang suivant, vous faites une maille serrée, une diminution, et on se retrouvera pour les 6 diminutions. Quand vous arrivez à ce résultat, comme vous voyez, il y a déjà une boule qui est en train de se créer. Ici, on a encore assez de place pour prendre notre rembourrage et tout simplement rembourrer notre petite boule. Alors, pas besoin de rembourrer comme je ne sais quoi, car notre but, c'est pas non plus de faire déborder le rembourrage. Vous faites comme ceci, vous essayez de le mettre correctement. Comme ça, vous pouvez voir s'il vous en manque un petit peu ou pas. Hop. Essayez aussi en même temps de façonner votre boule, sinon elle n'aura pas la tête d'une boule, tout simplement. Je vais reprendre un tout petit peu de rembourrage. Quand vous aurez assez rembourré votre boule, ce que nous allons faire, c'est nos 6 diminutions. Alors, comme tout à l'heure, nous allons faire les diminutions sans faire de mailles serrées. Donc ici, on fait notre première diminution. Hop, notre deuxième.
Voilà. Et vous avez votre sixième diminution. Vous arrivez avec un petit trou comme ça. Ce que vous allez faire, c'est piquer dans la maille suivante et faire une maille coulée. Donc, vous, si j'y arrive, vous piquez, vous faites un jeté, vous ramenez et directement vous ramenez dans la boucle qui était sur le crochet. Puis, ce que vous allez faire, c'est couper une longueur de fil, assez pour pouvoir coudre, bien sûr. Et avec votre crochet, vous allez tirer pour fermer. Ce que vous allez faire ensuite, c'est, vous avez ce petit trou, vous allez prendre votre fil, enfin votre laine, je dis toujours fil, c'est horrible. Votre laine, vous allez la passer dans votre aiguille. Et ce que nous allons faire à présent, hop, c'est passer l'aiguille dans chaque maille. Comme ceci, vous allez la passer dans la première. Vous ne tirez pas encore. Hein. Vous allez passer vers l'intérieur dans la deuxième maille. Comme ceci. Dans la troisième, comme ça. J'ai encore fait bouger la caméra. Ensuite, à l'intérieur. Vers l'extérieur et on repasse dans l'intérieur sur notre première maille et là vous allez tirer. Et ensuite ce que vous allez faire c'est coudre ou en tout cas aller cacher le fil, donc vous piquez vous souhaitez, vous pouvez ramener votre fil comme ceci, hop, vous le refaites passer, je ne sais pas moi par ici par exemple, hop, vous prenez le fil, vous faites repasser, vous pouvez sortir par ici aussi, hop, on le refait passer, comme ceci. On va tout simplement cacher le fil, comme je le dis. Hein. Hop, ne tirez pas trop fort, hein, sinon, par exemple, si je tire trop fort, vous voyez, ça fait des effets un peu bizarres. Donc, hop, on va détendre un peu tout ça. C'est pour ça, ne piquez pas non plus trop haut, sinon, vous pourrez avoir des résultats un petit peu médiocres. Hop, et puis là. Vous faites repasser ici, vous prenez, vous tirez, vous allez légèrement tirer sur l'ouvrage, couper quasiment à la base, hop, et après, vous malaxez un petit peu. Là, je vois que j'ai un petit peu pas assez mis de rembourrage. Ça, c'est un premier truc à réussir à faire, hein. Savoir doser votre rembourrage sans que ça soit trop dur ni trop mou, à moins que vous souhaitez quelque chose de plus mou, bien sûr. Et voilà, vous avez votre petite boule toute faite. Alors comme je dis, il faut pour ma part remettre un peu plus de rembourrage, mais voilà, vous avez votre boule qui est faite, que vous pouvez utiliser pour beaucoup de bases d'ouvrages, pour faire des têtes, des corps ou n'importe quoi qui nécessite de faire des boules. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Il fait partie de la petite série, de la mini-série des bases du crochet. Je verrai peut-être pour en faire d'autres, je ne sais pas ce que je ferai. En attendant, on se laisse ici avec cette petite boule. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos pour faire d'autres petits ouvrages. Et je vous souhaite un bon crochetage.